de l'internet, j'espère que vous allez bien sur le jour de la compagnie Dark So Sweet. What's up, ma biche? Ça fait, oh mon dieu. Ça fait combien de temps j'ai pas dit ça dans l'intro, mon pote? Oh mon dieu. J'ai comme genre les gros souvenirs qui me reviennent quand tu m'as donné de l'obsidienne pour la première fois sur Resoncraft. Bref, ça c'est une autre histoire pour une autre fois aujourd'hui. C'est bien de la compagnie aussi de Xylos. What's up, Xylos? Bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça va très très bien pour ma part, les amis. Il fait extrêmement. Je suis le rejeté, j'avoue que tu le rejeté. Il fait extrêmement chaud chez moi en ce moment. J'ai coupé l'air climatisé pour pouvoir faire la vidéo sans qu'il y ait du bruit tout dedans. Le micro, les gars, plein de nouveautés aujourd'hui que je dois vous parler. On va parler de ça au début de la vidéo et ensuite on va terminer la vidéo avec sûrement So Sweet et Xylos. On va essayer de se faire une petite farm pour commencer à farmer un peu d'argent. Donc, premièrement, une réforme sur l'économie. Donc on va commencer par ça, on a réformé l'économie, on avait fait des tests, puis finalement on a vu que nos tests, personne ça les plaisait, on a remis l'économie comme elle était, donc elle est revenue comme elle était. Je pense qu'on peut, on appelle ça une refonte, mais là j'ai juste mis refonte, bon, en tout cas bref, voilà. On a fait des modifications de certains prix aussi. Vous avez aussi le iShop Command qui est sorti, les prix vont être disponibles, ils sont pas disponibles pour l'instant, ça va être bientôt, bientôt. On attend juste d'attendre un peu que les gens soient un peu plus riches au serveur, parce que comme vous pouvez voir, c'est quand même vachement cher, 35 000, 45 000, 65 000, puis tout, fait qu'on attend vraiment que les gens soient plus élevés avec le niveau de l'argent. Donc sur les sites, on a rajouté les sites web et le système de vote disponible dans le monde entier. Donc tous les pays, toutes les villes du monde ont accès au site en ce moment. Et il y a aussi notre cher ami Sousuite qui nous a fait des bannières assez stylées pour genre, t'sais, aménager un peu le site et corriger les fautes d'orthographe, etc. Ça fait un peu plus professionnel. Donc gros merci à toi. On a aussi désactivé les potions de force et invisibilité. Il y avait des petits bugs qui n'étaient pas totalement désactivés. Maintenant, c'est le cas. Il y a le slash requête qui est maintenant disponible. Donc Sousuite est une joueuse, t'es connecté ou pas? Non, je slash requête test please. On va, je vais juste vous montrer vite fait. En gros, quand les joueurs vont envoyer des slash requêtes, eux ils envoient la requête. Moi, je vais recevoir les requêtes comme on peut voir culot. Le garder. Là, moi, je peux voir test please, test lol, voilà. Les joueurs ils reçoivent stop. Les joueurs, on reçoit les gens qui ont la permission. Donc, en gros, les modos, les guides, etc. Et puis, on peut vous répondre. Donc, ajout aussi de 5 membres par faction. Donc, la limite de faction était de 10. On a augmenté à 15 vu qu'il y a beaucoup de gens qui trouvait pas que c'était assez, etc. Fait qu'on a remonté à 15, fait qu'il y a beaucoup plus de compétition. Donc aussi niveau du classement, donc il y a des petites modifications au niveau du classement. Beaucoup de factions qui s'en viennent, la primaire de Green Street. Je sais qu'il y a la faction de Eodam, la Revenge, qui garde un peu de points dans leurs Underchests, etc. Mais un classement très féroce, les amis, c'est jamais trop tard pour commencer à farmer les émeraudes. C'est vraiment ce que vous devez faire. N'oubliez pas qu'à la fin du mois, la première faction va remporter, à la fin du mois, à la fin de la map, donc il n'y a pas de date encore, mais à la fin de la map, la première faction va gagner 250 €, la deuxième 150 et la troisième, je me souviens plus c'est combien, la troisième je pense c'est 75 ou 80, je sais plus exactement. En gros voilà, au départ on devait faire les 5 premières, mais on va faire juste les 3 premières parce que bon, on sait très bien que ça sera un classement quand même assez serré et tout, et on veut donner la chance égale aux 3 premiers de vraiment se battre pour un... On veut une lutte féroce à la fin, on veut pas juste des factions qui disent oh, on arrête de jouer, on veut vraiment que tout le monde commence à jouer à fond. Aussi, je voulais vous remercier parce que bon, ça fait 2-3 jours que le serveur est ouvert alors que moi je poste cette vidéo là, et le serveur tient une moyenne d'environ 150 coups sans autre youtuber que moi et Bayonkuno pour l'instant. Bon, il y aura Vita normalement qui va commencer à poster à partir du mois d'août. Il y a aussi Ankno qui va refaire des vidéos aussi à partir du mois d'août. Il y a aussi Fantôme. Il y a aussi il y a plein de youtubeurs sur le serveur, les amis. Mais je voudrais quand même que vous continuez à me donner vos youtubeurs préférés, que je puisse les contacter. Je sais qu'iSuite revient le 5 août de vacances. Fait que peut-être qu'il va venir. Isaac il va aussi venir après ses vacances. Enfin, il y a plein de youtubeurs qui sont prévus de venir, ceux qui sont en vacances. Et si vous êtes en vacances à ce moment, les amis, vous n'êtes pas encore connecté au serveur, dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais savoir combien d'entre vous qui sont pas encore venus sur le serveur et qui ont envie et hâte de venir sur le serveur. Fait que peut-être que vous écoutez mes vidéos en vacances ou quoi que ce soit. J'espère que vous prenez un bon verre de tequila ma place. Donc voilà, il y a eu 1500 joueurs différents qui sont connectés depuis hier, ce c'est quand même vachement beaucoup, en 48 heures, ben, en 47 heures je dirais, là, 48, à peu près, là, tu sais, c'est pas, le temps est pas exact, mais en gros, en presque 2 jours, il y a eu 1500 joueurs, c'est un truc de malade. Donc voilà, c'est juste l'intro que je voulais faire sur cette petite vidéo là, et puis on se reprend sur mon compte joueur pour faire péter les culs avec ce suite. A tout de suite. Oh, j'ai oublié de vous dire aussi, les amis, en fait, le menu ici, maintenant, il diminue par 200, et le minimum que vous pouvez vous taper, c'est 10 000. Vous pouvez vous taper jusqu'à 10 000 maintenant, on a agrandi parce que voilà, puis vous pouvez descendre jusqu'à 200, sauf plusieurs personnes pourront pas être TP tout le temps au même endroit. Ça vous donne plus d'options pour vous téléporter plus loin, etc. So, voilà. C'est tout pour la vidéo, dis-moi pour le moment, je vous reprends tout de suite après. Ciao. Ok, en fait, non, j'ai checké les coordonnées vite fait pour voir s'ils étaient dans le coin de la map. Ils sont pas dans le coin de la map, ça doit être un bug de la map encore.
Donc, voilà. Combien qu'on a d'argent là? On devrait pas avoir beaucoup d'argent. On a 2000, c'est vrai, on avait joué hier. Nos affaires se sont faites aussi acheter au market. On peut-être faire un petit conflit pour cet épisode-là. Oh, y'a Audrey! Y'a Audrey devant nous, so. Oh, what the fuck? Il y en a qui ont mis des bets. Nous autres, on veut peut-être un plus gros bet, genre pas 5000. Lui, c'est un des gars les plus riches du serveur. Maintenant, le minimum de bets que vous pouvez placer, c'est 10. Si jamais c'est 10 en même temps. What? Ça dit que le poulet fou n'a pas assez d'argent pour jouer. Ok, on va jouer contre lui à 200. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a aussi au market. Peut-être qu'on pourra s'acheter quelques petites choses. Je vais essayer de vous trouver un pillage aujourd'hui. J'avais un home à un raid. Je peux peut-être y retourner après si vous voulez. On a perdu. On va voir qu'est-ce qu'on pourrait peut-être s'acheter dans le market. Slash market, il y a quoi? Ouh, ça c'est une bonne épée. Ouh, ça c'est une bonne épée, mais moi j'ai quoi comme épée? J'ai juste une Sharpness 3 dans le fond. Il y a un gars qui vend 2 points de classement. Ouh, sexy Audrey. Sexy. Sexy. Look at that chicks though. Look at that chicks though. That's my chicks, homeboy. Ok, so. 140 000 pour un diamant, c'est chaud quand même. On a peut-être besoin de quoi en fait là? Qu'est-ce qu'on. Est-ce qu'il est encore là, la loot chest qu'on avait vue hier? Si la loot chest. Ah non, il y a quelqu'un qui l'a acheté. Normal, là, je veux dire. C'était vraiment pas cher pour une loot chest. Ça, c'est normal un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter? 4000, 3000. Pas tellement. 5000, bof. Bon ben. Je pense que, comme je l'ai dit, on va y aller pour cette épée-là. Ou attendez. Je sais vraiment pas ce qu'on pourrait y aller pour, man. On a-tu un beacon à la base? On a-tu un beacon? On va y aller pour le beacon à 4000. So, on va faire des conflits jusqu'à temps qu'on ait 4000. C'est des games à 3000. Yo, what the fuck? Je vais faire un conflit. Create. 500. Tails. Coin flip, please. So, on va essayer d'en faire quelques-uns. On va. Je sais que vous voyez beaucoup ça dans mes vidéos, mes gars. C'est ce que vous avez apprécié le plus. Ce qui paraît dans la dernière vidéo, beaucoup de gens de vous m'ont dit: oh man, c'était vraiment cool. Puis tout, fait que j'ai fait: ok, bon, why not, you know? Why motherfucking not? Ce gars-là, il est vraiment chanceux, man. Il gagne presque toutes les sets de conflit. C'est un truc de malade, je vous jure là. On va modifier bientôt un système aussi. Il y aura un nouveau mini-jeu comme ça, de bet et tout. Vous allez voir, je pense que vous allez aimer. Enfin, j'espère que vous allez aimer. J'ai perdu genre 3 conflits dessus. Tiens, FD, gars. Ah. What? Je vends nous de Pinky. Ouh, ça c'est intéressant, les amis. Je vais laisser son skip dans la description. Lol. Ok, go. Slash ball, on est à. What? On a gagné? What? On fait juste gagner de l'argent, gros. What the fuck? Attends, je pense qu'il y a des abonnés qui nous envoient de l'argent, c'est impossible. Comment qu'on a gagné? Je sais pas. Je pense pas. On perd. On perd, mais on continue à avoir de l'argent. Ouais, c'est ça que je disais. On va en créer un autre à 1000. Il y a un abonné qui nous a envoyé de l'argent. J'ai pas vu c'était qui, gros, mais gros merci à toi si tu m'as envoyé de l'argent, sérieusement. J'apprécie. Ça fait plaisir. Please. Calice. Ce gars-là, il perd jamais. C'est un truc de malade. Let's go. Je suis comme d'habitude, je perds tout mon argent. Si un moment donné, j'aurai plus d'argent, puis je vais me mettre à pleurer en mode position fétale, comme d'habitude. Crise de calice. Ce que je veux, c'est l'esti fucking beacon. Ah, c'est bon, j'ai gagné au moins celle-là. Ok, so, on va faire 1 à 2000. Puis on va le mettre sur Edge. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouh, shit, y'a quelqu'un qui a déjà une tombée rapidement à calice. Ça gagne que celle-là, je pense qu'on a assez pour le beacon. Let's go. Ah, oh, encore Nums, calice. Yes! On a gagné. On a assez pour le beacon, je pense. Let's go. On va juste en faire un. Coin flip. Create. On va acheter le beacon. Donc, c'est celui le moins cher, right? Il n'y en a pas d'autres. 10 000. Puis c'est tout, en fond. Fait qu'on va acheter celui-là. Celui-là ici. À 4000. Super. Et il nous reste combien? Slash balle. Il nous reste 200. On va faire un coin flip avec ce qu'il nous reste. Dans le fond, si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd. So, 275.58. Ed, là, ça va dire que vous avez pas assez d'argent. C'est ça. On peut pas mettre les centimes. C'est genre fucké, là. En tout cas, 250. Dernier coin flip. Whatever happened here, you know what I'm saying? High tech. Good luck, mon boy. Oh, GG.
So, on a au moins un beacon, fait qu'on va pouvoir creuser. On pourra aller faire une base perso, genre avec des blocs de fer, faudra juste trouver du fer, etc. Puis on pourra faire ça. Ben en fait, c'est vu quoi, je vais le faire maintenant. Je vais aller demander, genre essayer de trouver des échanges avec des gens ou quoi que ce soit, demander à eux s'ils n'ont pas du fer à me passer pour faire un beacon. Puis on va aller chercher une potion de as, avec cette pioche là, ça devrait aller fucking rapidement creuser un trou, puis faire une base full upsie. Fait que je vous reprends dès que possible, à tout de suite. Ok les gars, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais set un home ici, en fait, il y a très très longtemps. On est loin, très très loin dans les coordonnées. On est, ben, je dirais, proche de la limite de map. On a laissé nos amis tout seuls, en fait. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va récolter. Ben, j'ai trouvé ce... J'avais fait un home par là-bas. Là, je viens de trouver ce village-là. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va le raid. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à creuser une base ici. Parce que c'est du sable, fait que ça risque d'aller assez rapidement. On va juste prendre le blé. Parce qu'on sait pas pourquoi, mais si jamais on a des chevaux ou quelque chose, genre, ça peut être utile. On va prendre ça, comme on peut voir, le biome, le chunk vient juste d'être loadé, fait qu'il y a personne qui est venu dans ces coordonnées-là encore. Comme vous voyez, il y a pas mal de coordonnées de map qui sont encore explorées, même après quelques jours du serveur, 3-4 jours maintenant. Alors que vous voyez cette vidéo sûrement, mais même à moi, ça fait 2 jours exactement, 3. Mais, en gros, ouais, il y a encore des parties de la map qui sont pas explorées. Oh, il y a des bibliothèques ici. J'ai pas de hache. J'ai-tu une pioche Siltouch ou quelque chose Siltouch dans mon EC? Non, j'ai juste des trucs comme ça. Oh, ils m'ont donné 33 blocs de fer, mes amis, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Fait que là, avec les 33 blocs de fer, on va pouvoir au moins avoir un petit beacon. Au pire, comme je dis, on n'a pas vraiment besoin du beacon, en vrai. Hein. On aurait pu juste acheter des potions au spawn avec avec des points. Il aurait fallu farmer pour avoir un point au moins, là. Mais bon, fuck, ouais. C'est sûr que ça aurait été plus hard, mais bon. On va essayer de voir si on peut pas avoir avec des joueurs pour échanger notre beacon contre 2 points ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être intéressant. So, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, il y a une forge, les gars. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouh, les bottes en fer. Oh, l'armure plus pom-pom. Ça, c'est bon. Les bottes en fer, bof, on va les faire despawn. Mais ça aurait été bien qu'il y ait un peu de diamant. Y a-t-il d'autres choses autour? Je pense que c'est tout. Y a-t-il d'autres... Non, c'est tout. Donc, je m'en continue à m'éloigner parce que ça se peut qu'il y en ait d'entre vous qui trouvent ce biome-ci et qui voient ce biome-là. Il va savoir ce que ma base est. Donc, je préfère m'éloigner encore un peu. On va bouffer ça pour comme bouffe. Fait que je m'éloigne un peu puis on se retrouve après. À tout de suite. Ouais, donc, je suis accompagné de Dixilo. Maintenant, il est revenu. So, en gros, j'ai pris mon kit YouTube. So, on a 5 lucky clés. On va les ouvrir en espérant qu'on puisse avoir des points, les gars. Comme j'ai dit, on aurait besoin d'une potion de As-2 pour creuser une base. Fait que. Il serait vraiment intéressant d'avoir des points. Au pire, voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Si on va aller au spawn, puis on va l'ouvrir 5 bucks. En espérant qu'on peut être chanceux. Vous savez que je suis pas très chanceux dernièrement, surtout avec les coin flips. Bon, on a été capable de bet jusqu'à temps d'avoir le beacon. Mais normalement, je suis pas très très chanceux. Donc, Zilas, il fait de la modération en ce moment. Puis moi, je joue, les amis. Tiens, PVP. Ouh, ok. Ok. Home lol. Qu'est-ce qui est pas important là-dedans? Je t'y garde dans mon inventaire, je te les donne. Oui. Non, c'est correct. Laisse-les par terre. Comme okay. Ça, un abonné fidèle pourra récupérer. C'est bon. Voilà. Et voilà. Donc. Slash pack. Oh oui, je sais pas si je vous l'ai dit, je pense que oui, mais on a recruté aussi des streamers, donc il y a Félix Pellerin et Millenia, quelque chose comme ça, on leur a fait venir sur le serveur. Si vous connaissez aussi des streamers, pas juste des youtubers, ben dites-nous ça. Un autre kit alchimiste, tabernet. Ah ouais, je veux quelque chose de bon là, please. Call, c'est un autre kit PVP. C'est good parce que j'aurais des heals pour PVP, mais calisse que c'est chiant à voir. Ah, c'est vraiment chiant. J'ai manqué de YouTube moi tout à l'heure. Calisse de tabarnak. On retourne au home là, les gars. Est-ce que tu pourrais mettre le cuir à acheter au shop, s'il te plaît? Merci. Oh! À acheter, genre, je comprends pas, mais. Mais oui, peut-être. Qui sait un jour. Donc. Asti, on a fucking de potions. On va essayer de faire un PVP après, ok, les gars? C'est sûr qu'on va essayer de faire un PVP stash back. J'espère qu'on n'a pas un autre kit potion. C'est inutile, il n'y a que toi et Chocolatine qui ont 50k, j'avoue. J'avoue, à cause qu'ils viennent de faire un des plus gros coin flips, ils viennent d'arriver sur le serveur. En gros, c'était pain au chocolat contre je sais pas qui, je pense Nums. C'était 100 000 chacun, genre, puis en tout cas, c'était. Tout le monde était content ou je sais pas quoi, là. Je sais pas qui a gagné. Oh, 64 obsidian, c'est bon. Let's go, des points, please! Come on! Ah, oh, kit XP.
Damn it, give the kit que tu gagnes. Je t'ai dit, je suis vraiment pas chanceux, man. C'est genre, je suis la personne la moins chanceuse de toute la planète entière. Donc, attends. Slash kit, MVP. VIP plus, ça donne quoi? Toi, t'as-tu un P2? Sur ton compte joueur? Mon compte joueur, j'en ai pas un sur moi, j'en ai chupé un, mais. Oh merde, ok, ben je vais faire un 4 VIP plus. Puis on va fusionner dans le fond le P2 avec le P2 pour faire du P3 au moins sur le 2 des parties. Puis on va essayer de se faire un fight. J'ai pas beaucoup d'armor, fait qu'il faudrait essayer tout de suite un full diam au moins. Ou du moins essayer. Fait qu'on va mettre ça P4 là. En fait. Ça un? Bah y'a pas le P4. Damn. Ouais. Ok. Faut avoir mon mal. Ok, on devrait être correct avec ça. Boum boum. Oh shit. Je suis cave, ça prend 3 blocs. Tac tac tac. Oh mon dieu que je suis cave. Tous les bêtes. Moi je vais faire un bête contre culot. Comme ça. Comme ça. Et là on va refaire ça en bloc. Voilà. Voilà. Et voilà. Ça on va pouvoir faire ça. On pourra fusionner ça. Puis ça, ça prend 9 niveaux. Moi je vais être P3, c'est pas si pire quand même. Fait qu'on aura un petit action pack PvP, puis c'est une nouvelle update aujourd'hui. Ça va être une bonne vidéo quoi, j'espère. En tout cas j'espère, je vous reprends comment on se fait prêt. Je vais crier. Vas-y crie. Donc moi je suis... Il a gagné. Il en peut plus, il a gagné, madame et messieurs, il a gagné. Il a gagné. Ok, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire spawn un coffre dans la warzone. Puis genre, pas trop proche, tu sais genre proche du spawn, tu comprends genre? Proche du spawn. Ben pas, genre juste à la sortie, comme ça plein de gens pourront participer, puis je vais participer aussi, ok? Genre, juste un peu devant, genre, tu sais, voir proche des AP, puis proche du spawn. Hein, ouais. Ouais, juste tout droit. Ici, là, où ce que t'es, où ce que t'es. Non, non, ici, ici. Juste où ce que t'étais, là, proche de l'arbre. Okay. Vas-y, c'est bon. Dès que t'es prêt. Slash loot. Chest slash ear. C'est bon, on attend. Le but, ça va être de récolter des loot. Fait que moi ma stratégie ça va être de me cacher derrière l'arbre puis attendre que quelqu'un arrive. Puis ça prend environ une minute avant que le coffre arrive. Le but c'est juste de récupérer des loot. Le reste on s'en fout. Il y a déjà deux personnes qui sont là. Ok, c'est des full no stuff. Ok, le coffre il est apparu. Non. What, il est tombé, ça fait Il est tombé déjà? Ça fait un jukebox. Non t'inquiète, il est pas encore tombé ou il a tombé? Il est tombé, je crois que j'ai vu un jukebox par terre. Non, vas-y, vas-y, monte. Ah si, il descend, c'est bon. C'est bon, il arrive. Fais gaffe, Icons. Qu'est-ce que c'est que d'une stuff? C'est mon ami Dame Patate. Oh! What? C'est mort? Il y a du monde. Non, non, je suis encore en vie. Moi, je veux du loot. Ok, c'est... il arrive bientôt. C'est bon, je me suis vidé de l'inventaire. Oh, j'ai récupéré une charnette 5! Le dude, il était... What? Le gars, il était... Il avait oublié... Il a oublié de mettre du stuff, je pense, le gars, en fait. Je pense qu'il avait oublié qu'il était... Ouais, c'est ça. Il devait croire qu'il avait du stuff, en fait. Dépêche-toi! Vas-y, quand il est tombé, il est tombé, il est tombé. Non. Regarde dessus toi. Regarde dessus toi, il arrive bientôt. Go, go, go. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. J'ai du stuff, j'ai du stuff. Non, c'est un ali. Ah, mais toi, je me vanille, je suis con. C'est bon, je vais faire un easy kite, je pense. Il y a personne qui me chase. Easy kite, voilà. Easy kite en happy VIP faction, yo! Yeah. Je sais même pas ce que j'ai récupéré, gros, c'est eux. C'est une skin, comment? Fais-en spawn un autre pour les autres. Fais-en spawn un autre dans la warzone. Je vais y retourner après. Mais okay. Fais-en spawn un autre, genre, fais-en, mais pas à la même place, tu sais, c'est le change de place, tu sais, tu t'en vas. J'ai gagné deux. Oh, j'ai gagné une sharpness looting. Ah, j'en aurais besoin. Oh, lol. Oh putain, la chatte que j'ai eu. Mais je comprends pas le gars, genre au début. What the fuck, le gars est arrivé de no stuff. Asti, j'ai eu. Oh ouais, j'ai vraiment des bons stuff. Je t'en passerai une des Sharpness Looting. J'ai eu du P4, j'ai eu un patron P4, 4 blocs de diam, plus 16 blocs de psy, puis des citrouilles. Mais moi, j'ai jamais l'occasion. Oh my god. Ben ouais, c'est toi qui l'ai fait, mais c'est pas grave, attends. Regarde, je retourne au spawn, j'ai essayé d'avoir l'autre. Ok. Je vais me prendre. Mais non, mais fais-le dans la warzone, dis-le pas, puis genre, tu mets juste les coffres, les coordonnées vont apparaître. Caché, tu vois. Ouais, vas-y, un peu caché. 3, 2. Go. Ok, let's go, let's go. 180. 180, c'est par là.
180, 200, c'est par là. Chris, tu l'as bien fait loin. Ah non, c'est par là. What? Mais c'est fixe, ouais, mec. Ouais, tu l'as fait Pour par que je là. What? regarde. Non, tu l'as fait par où? What? Attends, je vais aider notre ami en fait. Je vais pas aller pour le Y a pas coffre, grand monde encore. Oh, les rats, du succès. Qu'il est en train de tomber, le pauvre. faudrait qu'on active les perles dans la boisson en vrai. Hein. Ouais, Est-ce que mais tu non, penses que ce parce serait qu'après, mieux? c'est encore plus facile pour le bac. Encore plus facile. Ok, what the fuck? Bon, je vais aller au coffre, moi. Ok, bah il est en Chance. train de tomber en fait. Ok, c'est quoi les coups? Et 225. What? Il est à l'opposé du spawn, il y a personne. Mais justement, j'avais exprès pour qu'il vienne là. Il y a Brooke. Bon, le coffre est tombé dans quelques secondes. Faut que là que j'aide mon ami, je pouvais pas. Bon, il est tombé normalement. What? Ok, tu l'as mis dans le désert, non? Ouais. Ok, j'arrive. Proche du Il est KOTH? tombé. Il est tombé. Y a-t-il quelqu'un qui l'a Non. pris? Non, il n'y a personne, mais Kotor. Tu me vois? Oh putain, il y a du bon stuff, hein. Non mais non! Si tu ouvres le coffre va disparaître, hein. Non, non, c'est quand il est vide qu'il disparaît. Il y a 3 pains au chocolat de notre fac qui prend tout. Oh shit, Le shit, 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 stuff. j'arrive de mourir, je suis mort. What the fuck, il fait tellement mal ce gars-là. Ah ouais, mais j'étais pas full P4, j'avais oublié. Full P4, j'aurais pris beaucoup moins de dégâts, mais là, j'étais pas full P4. Damn! Ok, faudrait vraiment qu'on essaye des stratégies pour essayer d'en avoir, parce que sinon, il faudrait se farmer du P4, sinon. Holy fuck. Bon, moi, on en a eu un. On en a eu un, puis on a eu quoi? On a eu une épée de farm, puis une épée de fight, plus des jambes à P4. Puis ceux qu'on peut échanger contre de les trucs, puis ceux qu'on pourra vendre. Mais en gros, voilà. On a eu quand même des bonnes affaires, je vais vendre mes affaires vite fait. Mais oh my god, quel épisode aujourd'hui, c'est mis! Oh! On va pas se cacher, on s'est fait enculer à la fin de l'épisode, hein. Pas se cacher, les gars. Mais bon, voilà. Attendez un instant, on va échanger ici. Je pense que ça en prend 24, qu'on en a assez pour ça. Le reste, on va le transformer en ça. Voilà. Puis on va le vendre pour 45. Ça va nous donner genre 7 piastres. Let's motherfucking go. Et puis là, ici, ça prend 12 blocs pour 1. On est rendu à 15, même pas 16 maintenant. Il faudrait échanger nos blocs de diamants. Ou nos diamants, du moins. C'est qu'on va faire genre. Bon, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on va regarder nos blocs? On va regarder les blocs de diamants pour l'instant. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne. À la suite, mais non, normalement ça devrait, on devrait les garder pour le moment. Là. Enfin, je vois pas l'utilité de pas les garder en fait. Plutôt, c'est ma question. Mon truc, si on va lui donner 4 diamants à lui, tiens, prends ça. Oh, il est parti trop tard. Fait qu'on a quand même une bonne épée de loup, etc. Puis on a un peu de citrouille. Il manque des citrouilles pour les échanger, fait qu'on va les garder dans notre siège et on en a assez. J'espère que la vidéo vous a plu aujourd'hui, les amis. J'espère que la nouvelle mise à jour vous fait plaisir. Donc 15 joueurs par faction, si vous avez oublié, vous avez pas écouté jusqu'au début de la vidéo. 15 joueurs par faction. Bien sûr aussi les amis, la version conseillée c'est la 1.7. La version conseillée c'est la joue, c'est des 5 membres par faction, le slash required. Et maintenant disponible, potion de force et invisibilité désactivée. Ajout du site web et système de vote. Refonte de l'économie un petit peu. Ajout du PNJ mineur à la place du pêcheur. Et ajout de la commande slash shop avec les commandes. J'espère les amis que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, partager la vidéo avec vos amis sur Facebook. Allez voir la chaîne de sous-suite, elle va recommencer à faire des vidéos sur iFactions. Et puis j'espère les amis que vous avez passé un excellent moment avec moi, je vous aime, c'était un compte, passez une excellente fin de journée, peace! Yo, juste dernier point avant que la vidéo se termine, en fait, les amis, il y a un use bug porte en ce moment, il y a des joueurs qui ont découvert un bug, je rends compte quand vous êtes en combat, vous pouvez passer à travers les portes, en fait, les amis, si vous vous faites kill comme ça, dans votre AP, ou dans votre base, avec les trucs de porte, je vous conseille de rec, vous allez pouvoir être remboursé de votre stuff, qu'est-ce que vous avez sur vous, et puis aussi, petit truc, vite fait comme ça, par rapport à ce bug-là, je vous conseille de juste de pas mettre de porte ou de portillon. Mettez pas ça, mettez des blocs, puis traînez tout le temps de pioche sur vous. Attends qu'on corrige le bug. On attend juste qu'Elox rentre de vacances, les amis. Il rentre de vacances dans quelques jours. Fait que soyez patients, les amis. Je vous promets, ça arrive bientôt. Je vous prends bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous aime, c'était Agonde. Salut!